fucking kill you. Salut tout le monde, les amis, c'est Bamio. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu particulière. Je vous l'avais promis il y a quelques années déjà, enfin quelques années, il y a peut-être un an, lorsque j'avais fait ma vidéo sur comment modder un jeu sur 360. Je vous conseille de la voir pour ceux qui ne l'ont pas vu, étant donné que c'est exactement le même principe, sauf que maintenant les nouvelles versions de Modio fonctionnent très très bien. Et je vous avais promis une vidéo sur World at War avec les mods. J'ai téléchargé un nouveau mod ce matin et j'ai jamais vu un mode aussi complet que ça, qui fonctionne partout. Voilà. Donc c'est vraiment incroyable, je vais vous montrer ça. Donc on va tout de suite lancer. Et en plus la clé USB ne plante pas. Donc ça c'est complètement, c'est vraiment bien. Vous allez voir ça. Parce que le problème de mon autre mode que je vous avais montré en vidéo à l'époque, je vous avais montré vite fait, brièvement, hein, pour le tuto. Mais le problème de ce mode, c'est qu'au bout d'un moment, si vous la clé USB chauffait trop, bah ça coupait le mode et ça revenait dans le menu principal. Alors c'était vraiment très gênant quand vous vouliez vous amuser, parce que vous étiez obligé de relancer le jeu. Donc voilà. Alors là, une fois que vous faites aller dans le solo reprendre, vous allez quitter. Je crois que ça le revient tout seul. Voilà, ça revient tout seul. Bah c'est comme l'autre en fait finalement. Et vous allez aller en Asie Zombie. Vous allez faire solo par exemple. On va aller sur Dead Rise parce que c'est quand même la map la plus complète. Et vous allez voir, incroyable. J'ai joué plus d'une demi-heure déjà tout à l'heure et la clé USB n'a pas chauffé une seule fois. Imaginez-vous, c'est quand même assez incroyable. Donc voilà, alors pour l'instant le jeu est assez assez classique. Voilà, il y a rien de particulier, sauf quand on allume le mode, bien évidemment. Alors au début, je comprenais pas trop à quoi ça correspondait. Je pensais que voilà, il suffisait juste d'appuyer sur des touches, etc. Mais en fait non, ça c'est carrément le menu en fait, avec les flèches vous baladez comme ça. Donc on va déjà se mettre en mode en god mode, munitions illimitées. On va se donner un petit peu d'argent, allez c'est parti. Voilà, juste histoire d'être bon, on va se donner des petits singes, même si je crois qu'on peut pas vraiment les utiliser. Et ce que bien avec ce mode, c'est qu'on peut carrément modder les autres joueurs qui sont dans la partie. L'autre mode ne le permettait pas. Celui-là, si par exemple vous jouez avec vos amis en privé, vous pouvez leur permettre d'être en god mode. Voilà, par exemple, vous pouvez leur donner de l'argent, vous pouvez leur donner de l'argent, vous pouvez leur donner plein de choses. Et ça, c'est plutôt sympa. Vous pouvez carrément rajouter des choses qui sont disponibles dans le jeu, mais pas en zombie. Par exemple, une boussole. On va l'enlever, c'est pas, ça sert pas à grand chose. On peut carrément mettre illimité, sprint illimité. Là, on peut mettre l'autre couteau. Puis voilà, là on peut carrément, par exemple s'il y en a un qui nous embête, eh ben on peut carrément le quitter ou le ban. Alors je sais pas trop à quoi ça sert de ban, étant donné que si on quitte, il peut pas rejoindre. Mais bon, on peut mettre à terre tous les joueurs, on peut les friser, on peut les dérank, mais franchement, je vois pas trop l'utilité. On peut, alors tenez-vous bien, je vais pas le faire, moi aussi je vais le faire maintenant, on peut carrément changer le level, on peut mettre niveau, hop là, 99 990. Alors attention, ça, il va y avoir beaucoup de zombies. On peut mettre en mode hardcore. Il y a vraiment beaucoup de choses. On peut mettre les cartes de la mort. Excusez-moi, je tapais le micro. On peut mettre des sphères, etc. Mais bon, ça c'est vraiment des choses assez basiques. Alors drop all weapons, c'est-à-dire on peut tout dropper nos armes. D'accord, on peut. Oui, ok. On va give all. Alors, nos clips, c'est l'espèce de fly là, c'est le passe-muraille. On peut aussi appuyer sur RB pour ça. C'est pas. Ça sert pas à grand chose. Perk menu. D'accord, alors ça c'est pour avoir des. Attendez, je comprends pas trop. Bah, apparemment, normalement c'est censé être pour. Pour comment les atouts, mais là ça marche pas trop. Donc vous pouvez les acheter, vous pouvez vous donner de l'argent. Fun mode, alors là on peut carrément augmenter la téléchargeur. Je vais essayer de vous montrer ça. Attendez, tac, je me suis donné toutes les armes. On va juste mettre un petit peu en hop en bien. Donc, les mêmes armes, il y a toutes les armes. Voilà. Bon, les zombies bug un peu là parce que du coup je suis plus sur la map. Donc vous avez toutes les armes, on va se prendre une MP40, elle est plutôt sympa.
Et vous avez... Voilà, ça rame un peu, c'est normal. Vous avez vraiment beaucoup de choses. Donc, on en était où? On était... Alors voilà, vous avez les fan mods. Il y a vraiment pas mal de choses. On peut afficher ou cacher le sang, mais ça sert pas à grand chose. On peut carrément supprimer l'arme. Vous voyez, je peux toujours tirer. C'est marrant. Drug menu, weed. D'accord, ok. LSD. Ah oui! Ah oui, d'accord. Oui, c'est accéléré, quoi. Mushroom. D'accord, ouais, c'est des effets plutôt sympas. Ok, attendez, on va juste se remettre en haut. Vraiment, histoire d'être tranquille. Hop, on détruit des petits zombies en même temps, c'est sympa. Et vous avez pas mal de choses, on peut carrément changer par exemple la couleur du soleil. Si je veux mettre le soleil, des lumières jaunes, rouges, roses, bleues, green, enfin vert, on va mettre yellow, tiens, c'est sympa, yellow. On peut carrément changer l'intensité, voyez, on va laisser comme ça, c'est sympa. Fog menu. Alors fog c'est pour le brouillard dans mes souvenirs, mais je sais pas s'il y en a vraiment sur cette map. On changera de map après, hein, je vous rassure. Enfin voilà. Serveur. Alors on peut carrément finir le jeu, c'est ce qu'on fera tout à l'heure pour essayer. On peut afficher le nombre de FPS, ça c'est marrant. C'est vachement marrant. On peut carrément restart la session. On peut afficher mettre des clans custom. Bon, là je crois que j'avais mis quelque chose. Ok. On peut changer le clan, le nom de clan, et puis ça va clignoter. Ça c'est marrant. Tac. Et puis le mode menu est plutôt bien fait, hein, je dois vous avouer. Mais ça, je vous montre un petit peu tout ce qu'il y a. Téléporte menu. Nage. Nage. D'accord, on peut se téléporter dans les maps. Oh, on va essayer ça après, on va essayer. On peut mettre. Alors ça c'est. Le bruit de la bombe, par exemple. D'accord, on peut activer les musiques du jeu. Et ce que j'aime bien, moi, c'est la musique des crédits. Ça, c'est marrant. On va le laisser. Alors la pro mode, hop, c'est pour avoir une vision un petit peu plus éloignée. Ça fait, c'est sympa, j'aime bien. D'ailleurs, aussi, je vous montre les nombres d'FPS. Mais regardez, ça descend à 30. C'est 60 FPS. Le jeu est en 60 FPS et ça se ressent. Et par contre, il est pas très stable, il est pas à 60 FPS constant. Oh, excusez-moi. Donc voilà. Ensuite, développeur menu. Donc oui, c'est ce que je vous mettais. Show scoreboard. D'accord. Donc ça, c'est comme ça qu'on fait. Ok. Tac. Alors excusez-moi, je l'ai plus que depuis une demi-heure le mode, donc je sais pas trop encore comment il fonctionne, même si je commence à connaître un peu. Donc voilà, là, vous pouvez prendre des armes. Killstreak menu. Alors là, vous pouvez vous mettre en mode AC 130, etc. C'est sympa, mais je vois pas trop l'intérêt en fait. Là, vous pouvez changer vous pouvez bloquer la boîte si vous voulez pas qu'elle bouge d'endroit. Vous pouvez la bouger et vous pouvez mettre que ce soit la Wonder Wolf, la prochaine arme dans la boîte, si vous voulez la donner à quelqu'un. Vous pouvez carrément spawner des nukes par exemple. Vous voyez, je peux en spawner plusieurs. C'est sympa, des max ammo, allez, hop, c'est la fête. Des charpentiers, faites des. Tac. Et un stakil. Voilà, tout aller récupérer d'un coup. Hop. Ah, là, par contre, je suis en. Ah oui, d'accord, parce qu'avec LB, on peut changer, on peut mettre en accéléré, on peut mettre au ralenti. Alors, ralenti, c'est plutôt marrant, je vous dis. Voilà, je vous montre un petit peu. Okay, par contre, du coup, c'est très très lent. On va attendre qu'il y ait des zombies. On va mettre en accéléré pour attendre les zombies. Mais vous voyez, et la clé USB tient le coup. Alors que l'autre mode, elle aurait déjà planté depuis 4 ans, quoi. Donc c'est pour vous dire. Ah, c'est par contre, c'est ralenti, mais vous aussi, vous êtes au ralenti. Hein, donc faut faire attention. Hop, mais c'est marrant. Alors, on peut voir d'ailleurs la super belle visée automatique. Hein, qu'il n'y a pas sur PC. Abusé quand même. Enfin voilà. On va se remettre ici vite fait. Après on ira sur notre map, on fera un peu de zombies. Comment on fera voilà autre chose. On peut carrément faire spawner des textes. Alors bien sûr ils sont déjà faits, ça c'est un petit peu dommage, mais voilà, on va mettre you made bro. Et les autres le voient. Alors ça c'est marrant. Enfin j'imagine que les autres les voient. Voilà un petit peu pour tout ce qui est le.
le mode menu. Voilà, donc vous voyez qu'on peut faire quand même pas mal de choses. Après, au niveau des touches, vous pouvez, alors par exemple, si j'ai envie de donner la PPSH à quelqu'un, hop, j'appuie sur flèche du bas, voilà, l'autre personne peut la prendre. Ça vous connaissez peut-être. Oui, vous entendez d'ailleurs la petite musique de zombie. On va se mettre dans un coin, regardez, vous allez voir, c'est sympa. On peut changer la... Alors ça aussi, je vais vous montrer brièvement, on va se coincer en l'air. Voilà. Je vais vous montrer, on peut changer, alors zombie and round il me semble. Zombie Hills Editor, et on peut changer la vie des zombies si j'ai envie de les mettre mais super super chaud et tout. Voilà. Enfin, il me semble... Attendez, ça les a pas changés. Ok, bon, je comprends pas tout. Ok, fail. Est-ce qu'on peut... Alors j'imagine que non. Last Round. C'est le combien? Jumping to... Ah d'accord, c'est le dernier round ça, il n'y a pas plus. D'accord, ok. On va se remettre round 100, allez, c'est parti. Regardez ici, attendez, faut que je retrouve l'endroit, mais il y a un endroit que j'avais découvert avec l'autre mode justement. Un endroit en fait où, vous savez, quand vous faites les téléportations là, et ben il y a un endroit en fait, il y a une espèce de sphère étrange. Enfin, je crois qu'il n'y est plus. Mais vraiment une sphère assez... Ah bah c'est là, regarde. Vous voyez l'effet quand vous vous téléportez, bah c'est ça. En fait ils ont mis la caméra comme ça et puis pfiou, on dirait qu'on se téléporte. C'est pas mal, c'est bien fait, c'est ça. Voilà voilà, pour un petit peu les modes brièvement. C'est plutôt sympa. Je remarque que ça fait quand même quelques minutes que je parle. Mais je m'amuse en fait comme un fou, alors pour ça je veux pas forcément arrêter tout de suite. Je vais vous montrer 2-3 choses encore. Pistolet laser. Alors ça fait un peu mal au crâne, oui, effectivement, le mode. Pistolet laser, c'est pas la meilleure chose en fait, on remarque. Yeah. On va juste un petit peu changer. Turn on power. D'accord, ça c'est tout allumé, tout activé, ok. D'accord, ça c'est sympa. J'aimerais juste, je crois c'est, non c'est pas là-dedans, c'est dans le lobby setting, non c'est dans host menu, et je crois, on est custom blind, c'est quoi ça, d'accord on peut changer ses touches, alors ça c'est pas mal, en fait on va, attendez, on va, je galère un petit peu, mais j'aimerais bien en fait changer de lobby setting. Arrêter de le. All mode. Attendez, c'est marrant ça. D'accord, il y a tout activé. Yeah, c'est le bazar, on comprend rien. Ok, bon. On va quitter. Ah, je voulais essayer de changer de me téléporter sur une autre map, voir ce que ça faisait. Tant pis. Alors, on va Night Zombie, Solo, on va essayer sur Shinonuma. On va voir ce que ça peut donner. Shinonuma, c'est vrai que c'est une map que je fais pas souvent, celle-là. Mais vous pouvez voir quand même que c'est plutôt sympa, ça rend pas mal. Il y a vraiment pas mal de choses, et ça c'est un mode que j'ai pris parmi tant d'autres. Ok, c'est bon, ça me remet au début. J'aimerais juste... Attendez, on va se mettre, je sais pas si, là je serai à l'abri, ouais là je suis à l'abri. Perk menu, j'aimerais juste, non. Arrêter, les, tout ce qui est, un peu chelou là. Fun menu il me semble. Non. Serveur. Ouais voilà, déjà on va arrêter de montrer les FPS. On va... non, ça, on va rester en host menu, il me semble. Alors attendez. Mode demi-dieu. Ok. Pourquoi pas. Give all.
C'est au niveau des armes. Player menu. Non. Lobby. On va mettre farmêlé. Super. Unlimited sprint. Main menu. God mode. Alors, je sais pas s'il s'est mis. Unlimited ammo. Ouais, à mon avis, c'est bon. Give money. C'est pas On va se bon, donner beaucoup ça! d'argent, même si c'est pas très 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 utile. On va tout tuer. Voilà, vous pouvez voir, il y a pas mal de choses à faire. Alors, on va se mettre en mode paintball, ça peut être marrant ça. Explosive Cold Wide Down. Allez. Après, on peut carrément changer les prestiges. Alors, moi, je suis déjà prestige 9, donc ça m'intéresse pas. J'aime bien déjà mon prestige. On va se laisser hein, d'ailleurs en mode sans le comment ça s'appelle sans le pro mode. Parce qu'après on peut mettre des lasers etc. Regardez, attendez, je vais vous montrer. Bah oui, il est bien sûr là. Ça, en fait ça fait en fonction des maps. Là il n'y a pas les armes améliorées, vous pouvez voir. On est qu'il n'y a pas l'amélioration des armes sur cette map. J'aimerais bien quand même trouver page 2 peut-être. Comment ça s'appelle le... Ah là là, je vais pas y arriver, hein. Le mode où on peut changer carrément la vision. La vision peut-être? Non. Perk menu. Non, non, mais là je tourne en rond. Ça doit être dans page de fun mode. UFO mode. Après, pourquoi pas? Je ne sais pas. Ce que c'est, on peut augmenter la téléchargeur, ça c'est drôle, vous allez voir. Du coup, un grand chargeur de malade. Ça sert à rien en soi, mais. Voilà. Est-ce qu'on peut changer de. Ah ouais, on peut changer et tout, on va mettre. On va mettre green. Attendez, on va aussi changer. Ah ouais, comme ça, vraiment vert, vert. Et on peut changer le brouillard ou le ciel. Disco, allez, c'est parti. Attendez, le mode a bugué. Ok, d'accord, non, c'était juste le temps que ça switch. Ok, donc là-dedans, ok. Excusez-moi, je m'abuse un petit peu. Oh, c'est. Mais je trouve plus. Je sais plus où c'est. C'est étrange, hein, mais. Là. Ouais, on va remettre la musique, c'était sympa ça. Ouais, je trouve plus. C'est un petit peu dommage. Développeur menu. Ça c'est quoi ça? Classe perso. Ok, non, mais ça m'intéresse pas. Pro mode. Ah oui, c'est vraiment. Ah oui, d'accord. Voilà. Ok, voilà, c'est juste ce que je voulais. On va se remettre dans la map. Et puis on va un petit peu. Oh, ça fait drôle hein, quand même. Je sais pas pour vous. Oh, c'est mortel. Et ils sont où les zombies? Je crois qu'ils ont bugué. Écoutez, on va se balader sur la map. Comment ça se fait que je suis déjà manche? Pourquoi je peux rien ouvrir? C'est vrai que cette barrière bug, je crois, il me semble. Moi, je peux rien ouvrir, attendez. Bon, attendez, les modes ont bugué, attendez, il faut que je... à faire une autre map. Vous pouvez voir, n'empêche que ça, c'est plutôt pas mal. Au moins, on s'amuse plutôt pas mal. Alors, hop, solo. On va essayer sur Zombie Verruc, qui on la voit pas beaucoup. Je vous montre un petit peu toutes les maps que j'ai. J'ai tous les DLC, donc j'en profite, hein, que je vous montre un petit peu tout. Alors, on va pas tout activer, juste le God Mode, Unlimited Ammo, et on va se donner de l'argent. Hop. Player menu, non. Bah voilà. Après, on appuie sur flèche de droite et on a toutes les armes. Ce qui est plutôt sympa. Est-ce que, si, ce qu'on peut changer, c'est. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce que je montrais en tout cas tout à l'heure. On va mettre violet.
Attendez, il y a combien d'intensité? Ouais, comme ça c'est plus intensif. Et ça je comprends pas. Je comprends pas ce que c'est. Ok. Bon alors ça vous dit on survit un petit peu quelques minutes. Puis après on va se laisser. Juste histoire de vous montrer quelques modes. Hein. Ok. Ah, du coup je peux ouvrir, voilà. Prendre la PPSH parce que c'est quand même une arme assez puissante. On va se mettre quand même. And 100, c'est un petit peu nul sinon. Voilà. Après, ça fait longtemps que j'ai pas fait cette map donc. Hop, on ouvre tout un peu, hein. On a de l'argent. Activer l'électricité. Comme ça, on peut se prendre les atouts, tout. C'est sympa. Alors, si vous voulez, je vais vous montrer le lien du mode bah, dans la description. Je vous mettrai le lien pour Modio également dans la description. Donc vous aurez juste à installer Modio. Alors faut faire gaffe parce qu'il y a souvent des mises à jour, je crois que c'est toutes les semaines à peu près. Donc faut faire attention. Et puis le mode risque peut-être pas être patché parce que le jeu est assez délaissé. Mais c'est bizarre, il n'y a pas de zombies. Enfin je me sens seul là sur la map en fait. Ouais un peu hein quand même. Non je sens. Ah, il n'y a aucun zombie. Hop, on va se balader. Hein. C'est sympa. Bah, c'est une map du solo. Oula, par contre, ouais, c'est sympa, mais pas très texturé derrière, dehors. Ah, ouais, quand même. Ouais, parce qu'on pouvait imaginer qu'ils auraient juste repris la map du solo, mais en fait, non, ils se sont pas chier. Ah, ouais, d'accord. On va voir si c'est. Est-ce que c'est texturé là? Oh, c'est texturé, on peut quand même aller assez loin! Hein là, ce qui serait marrant, c'est d'avoir des zombies. Mais je comprends pas, attendez. Zombies. Alors, j'appuie sur X, on va. Je sais pas. Il appuie sur X. Script. Ah, d'accord, c'est parce que le script a bugué. Ok, bah écoutez, bah moi j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, le script a bugué, donc écoutez, on va se le relancer Dead Rise. Et voilà, puis on va se finir là-dessus vite fait. Écoutez, je vous aurais montré un petit peu ce que peut donner le mode. C'est vraiment le mode le plus complet que j'ai trouvé pour l'instant. Évitez par contre cependant de le faire quand en ligne. Et le faire lorsqu'il y a le. Enfin. Ouais, évitez de le faire quand en ligne, en multijoueur ou en zombie multijoueur. Faites-le en privé, à la limite. En privé, moi, ça n'a jamais eu de problème. Je ne sais pas pourquoi vous en auriez, vous. Et puis amusez-vous bien, hein, tout simplement. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. Donc voilà. On va mettre Ransom, pareil. J'espère qu'il va y avoir des zombies quand même quoi, parce que là pour l'instant il n'y avait pas vraiment de zombies, c'est peut-être les maps qui buguaient un petit peu. Donc voilà, si vous voulez essayer les modes, en tout cas sur Dead Rise ça marche vraiment très bien. On a pu le voir tout à l'heure. Puis si vraiment vous avez des problèmes comme ça, si vous arrivez plus à lancer les modes etc, je vous conseille de relancer le jeu en fait. Il faut relancer le jeu, relancer et refaire reprendre dans le solo. Et puis ça remarchera avec la sauvegarde bien sûr pour avancer parce que là voilà il n'y a plus de zombies donc c'est pas très très drôle, il n'y a pas grand chose à faire si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, bah j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis salut tout le monde les amis et on se retrouvera une prochaine fois pour de prochaines aventures tout simplement. Oui, des aventures. Voilà, allez, ciao tout le monde.